je suis en vacances, j'ai été tentée, je suis partie à Nose, ma sortie en fait, voilà. Donc du coup j'ai fait quelques trouvailles et je vais partager avec vous, comme ça si au moins vous il y a un produit qui vous plaît ou autre, ben vous savez qu'il faut vite courir et y aller pour l'acheter. Donc je vais essayer de vous poster la vidéo ce soir, comme ça. Ben, en fait ce soir en fin d'après-midi, comme ça et ben voilà, vous pourriez y aller demain. Voilà, donc sur ce je commence par la maison, la déco. J'ai trouvé ces jolis photophores, un en rose avec un papillon comme ça et l'autre en couleur saumon on va dire, à 50 centimes. Donc j'ai pris ça, j'avais envie à vrai dire de prendre deux roses, mais c'était le seul. Il en reste en cette couleur, pour moi c'est du saumon beige. Donc voilà, donc si vous en avez envie, allez-y, et c'est à 50 centimes. Ensuite il y avait, hop, pour que je fasse pas tomber, il y avait des bougies, il y en avait des rouges, des blanches, des noires avec des écritures, en fait il y en avait beaucoup. Moi j'ai pris couleur or, ce qui m'intéresse, à 99 centimes. Donc voilà, moi c'est uniquement pour la déco, à vrai dire ça me fait de la peine de les allumer parce que ça va se consumer, en plus elles sont pas parfumées, donc je préfère juste les garder pour la déco et c'est tout. Ensuite il y avait ces photophores, ils me faisaient de l'œil en fait, j'avais envie de les prendre depuis longtemps, mais en fait je me suis dit ben, j'attends, c'est pas la peine et tout, et puis j'ai été contente parce qu'elles sont passées à moins 50%, elles étaient à 1,50€ et je les ai payées 75 centimes et j'en ai pris deux pour mettre mes tartelettes par-dessus là et c'est très joli, je vais les mettre dans ma chambre. Voilà, 1,50€, elles étaient déjà à 1,50€ et j'avais pas envie de les acheter, même si elles étaient à 1,50€ parce que c'est pas cher. Mais voilà, je me suis dit non, sois raisonnable, et ben comme quoi, des fois quand la raison l'emporte, et ben on fait des affaires. Et je les ai prises à 75 centimes, il y en a encore. Il y a aussi les trucs à pétrole là, les lampes à pétrole de la même ligne et... je ne les ai pas prises parce que moi les lampes à pétrole, vous savez, je vous avais dit tout ce qui brûle comme ça, là les bougies ça va, mais tout ce qui est lampes à pétrole et tout, moi ça me fait peur le feu, surtout parce que j'ai une petite fille qui touche à tout, donc voilà. Et la marque, je ne sais pas, c'est pas écrit, Botanica. Ouais, j'ai pu la dire, je suis fière de moi. Donc 75 centimes les filles et les garçons, il y en a toujours. Et dans la même ligne, il y a les lampes à pétrole. C'est très joli même pour la déco, mais moi j'en avais déjà prise une en rose que j'ai mis dans ma chambre. Donc ça sert à rien que je la prenne, la lampe à pétrole de cette ligne. J'ai pris que les photophores. Ensuite, j'ai pris cette petite boule toute dorée, brillante plutôt, rose brillante, et c'est de la marque Silea à 2,50€ et j'avais vraiment envie de la prendre, c'est là depuis longtemps, il y en a encore, et ben cette fois-ci je me suis laissée tenter, et voilà, donc à 2,50€ que je mettrai dans ma chambre parce que j'ai la déco en rose. Ensuite, attendez parce que là je suis mal installée. Ensuite, le meilleur pour la fin, mes deux produits là que j'ai pris, je les laisserai pour la fin. J'ai pris cette petite enveloppe plastifiée format A4. Les autres, je les avais prises en orange dans mon ancien haul. C'est le même prix, 55 centimes, mais je voulais prendre une petite comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris pour ma fifi, il y avait un arrivage de Peppa Pig, le dessin animé. Et c'est une trousse, il y a des bonbons à l'intérieur, donc c'est à 89 centimes. Des bonbons, en fait, il y a le, comment ça s'appelle là? Moi, je l'appelle ce petit truc là plastifié, je ne vais pas l'ouvrir comme ça, je vais la laisser elle ouvrir. Mais sachez qu'il y a des bonbons dedans, donc voilà, un en rouge de Peppa Pig, comme ça et comme ça. Voilà, donc je la laisserai ouvrir, elle n'a pas encore vu, je l'ai gardée précieusement pour vous le montrer, c'est pour ça.
Et voilà, parce que maintenant, j'ai peur. La dernière fois, il ne voulait pas me donner ses petits doudous pour que je vous les montre. Donc voilà, ensuite, on va passer à la beauté. Mais alors là, la beauté des filles et des garçons, je me suis éclatée. Mais au vrai sens du terme, j'ai trouvé un arrivage de plein de trucs et ça m'a fait énormément plaisir. Déjà, je vous avais parlé de Christian Lénard. Donc ça, c'est des lingettes démaquillantes au bleu. Et la dernière fois, j'ai pris à la rose, si mes souvenirs sont bons, oui. Et celui-ci, il démaquille les yeux, apaise et décongestionne tout type de peau. Donc au bleuet, à 90 centimes, il y en a 10. C'est des... je ne sais pas si vous avez vu mon autre haul, mais c'est des pochettes. Ça, c'est parfait quand on part en voyage ou même, voilà... Hein, pour tout le temps, ça c'est parfait pour quand on a envie vite 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 de se démaquiller, et ben on fait ça. Et c'est à 90 centimes et j'ai déjà utilisé les produits Christian Lénard, ils sont au top. Ensuite, j'ai pris ça et c'est de la marque Sincera London et c'est un conditionneur et une crème comment ça, coiffante à oh mon Dieu, comment ça, à l'argan, voilà, à l'argan. Et donc j'ai pris le conditionnaire et la crème coiffante parce que moi, comme je vous l'avais dit, j'utilise pas de gel quand je me coiffe comme ça. D'ailleurs, je ne fais que me coiffer comme ça parce que je traite mes cheveux. Donc j'utilise que les crèmes coiffantes et à l'argan, c'est parfait. Et c'était à 80 centimes chacun. Donc allez-y les filles et les garçons, il y en a plein, 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 plein. D'autres à l'avocat et tout, mais moi j'ai pris ça. J'ai pris le conditionneur, comme je vous ai dit, je m'en fiche du shampoing que j'utilise, le conditionneur, en fait, ça ne me dérange pas d'utiliser un démêlant autre que celui du shampoing. Voilà. Donc j'ai pris le conditionneur plus la crème coiffante à 80 centimes de la marque Sincera London. Donc voilà, c'est fabriqué où? Eh bien, London, ça doit être à Londres, je suppose, forcément, bien sûr. Oui, c'est à Londres, c'est une marque anglaise. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, ah oui, ben attendez, j'ai pris ça là, j'ai pris ça, et le truc de l'argan aussi, le masque à l'argan de la même marque. J'ai pris les trois produits, je me suis dit, ça c'est parfait, le masque est génial. Donc je ne l'ai même pas ouvert en fait, ouais. La capacité, elle est pas mal. Et il y en a 500 ml. Et lui, je l'ai pris à 2,50 €. Celui-ci, le conditionneur, 200 ml. Et lui, la crème coiffante, 150 ml. 80 centimes, les filles et les garçons, ça. Et lui, aussi 2,50 €. Mais vraiment... Voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et comme moi, je ne suis pas le genre par rapport aux produits de cheveux ou les soins de visage, je ne suis pas fidèle à une marque. J'aime essayer, essayer, essayer pour que mes cheveux et ma peau ne s'habituent pas aux mêmes produits. Donc voilà, j'essaye. Voilà, et si jamais j'ai un chouchou, eh ben j'aurai un chouchou. Voilà. Ensuite, de la même marque, j'ai pris. Mais là, il y avait la totale. J'ai pris le shampoing à 99 centimes. Et lui, il est à la papaye et à la noix de coco. Avec son conditionneur, cette fois-ci, j'aurai les deux. Et avec sa crème coiffante. Et lui. C'est pour booster le volume du cheveu. Et l'huile d'argan, excusez-moi, je ne vous ai même pas dit. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Crème de coiffage d'ac à l'huile d'argan et au beurre de karité. Au beurre de karité, les filles et les garçons, lui. Donc, voilà. Beurre de karité et huile d'argan, ces produits-là. Pas qu'à l'huile d'argan uniquement. Voilà. Et lui, il est. Je vais vous le dire tout de suite. Crème de coiffage à la papaye et au lait de coco. Donc voilà, j'ai pris la crème coiffante, le shampoing et le conditionneur. Le shampoing à 99 centimes, le conditionneur à 80 centimes et la crème coiffante à 80 centimes. Et c'est pour cheveux normaux. Voilà. Donc c'est parfait. Je suis trop contente, les filles, vraiment, de cet arrivage-là. Je ne suis pas privée. Voilà, pour essayer des produits, comme je vous ai dit, cette marque-là, c'est une marque anglaise. Je ne la connais absolument pas. Et grâce à Nose, ben, on connaît des produits. D'ailleurs, je vais vous montrer d'autres produits que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, si vous vous rappelez, dans mon ancien haul, j'ai pris une huile à la biotine et collagène.
Et là, j'ai trouvé le masque et c'est génial. Je suis trop contente qu'ils disent masque hydratant intense pour les cheveux à la biotine et collagène, effet cheveux épais. Une capacité de 250 ml et l'odeur, je l'ai senti en magasin et elle est excellente. Elle est toute blanche, donc c'est parfait pour mes cheveux. Tout ça, je prends vraiment, je suis contente. Ça, c'est, je ne connaissais pas aussi. Donc voilà, maintenant je connais. Je ne peux pas dire que je ne connais pas. Ensuite, j'ai pris de la marque Macadamia Oil Extrait le shampoing. Là, c'est une marque aussi anglaise. Donc, le shampoing à 1,99€. Moi, en fait, j'ai vu de loin les bouteilles comme ça, là. C'est ça, elles sont trop belles. Je les ai vues de loin. Je suis partie tout de suite. Et je me suis dit, mais ça, j'ai confondu avec la gamme Argan Oil. Et, mais c'était pas du tout ça. Mais c'est la Macadamia Oil Extract Shampoo avec son conditionneur. Le shampoing à 1,99€, le conditionneur à 1,99€ et le masque aussi à 1,99€. Donc c'est parfait. Après le shampoing, sécher les cheveux avec une serviette puis appliquer le masque sur les longueurs et pointes. Et comme je vous ai dit, moi il n'y a pas de longueur et pointe, c'est de la racine aux pointes quand je fais des masques. Pour bien nourrir et hydrater mes cheveux, les filles et les garçons. Et oui, quand on les abîme, c'est comme ça. Ensuite, grande surprise, eh ben, j'ai trouvé des huiles de la marque Sincera Naturelle. C'est écrit Sincera Naturelle. Et à, ça, c'est à l'amla. Et l'amla, vous savez quoi, c'est l'argousier, en fait, l'arbre de l'argousier. Ou on l'appelle âme. Ah non. Oui, je sais pas. Je vais pas dire que c'est tombé. Non, c'est pas l'argousier, c'est l'autre. Parce que j'ai tout noté pour qu'en fait, pris en photo les trucs. Voilà les traductions pour que, voilà, pour que vous sachiez. Là, c'est. Alors, l'amla, c'est une espèce d'arbre de famille. Voilà, ça, on s'en fiche. Elle pousse en Inde, au Sri Lanka, plus précisément. Et c'est considéré comme un arbre sacré. Et moi, ben, je vais utiliser son huile. Et donc, elle, c'est pour le volume. Et c'est aussi, j'ai pris tout en photo pour comme ça au moins, c'est pas ça, c'est pas ça, alors attendez, oui, ça c'est un anti-pelliculaire, l'AMLA, c'est pour aussi le volume et contrôle des démangeaisons, voilà. Et donc c'est parfait, surtout moi je l'ai pris pour le volume et anti-pelliculaire aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est à 2,50€, une capacité de 200 ml et je suis très contente. En fait moi je vais faire la collection des huiles et un jour je vais ouvrir un magasin d'huile. Voilà, de chez Noz. Mais non, c'est que pour mes cheveux. Voilà, et les cheveux de mes deux filles aussi. L'autre aussi à 2,50€ et c'est le NEM, ça s'appelle NIM et c'est lui, c'est ou NIM ou l'argousier, voilà. Et lui, c'est pour, il protège du soleil et aussi autre chose, soulage le cuir chevelu qui démange. Et voilà, donc, et pour la pousse des cheveux, lui, il est parfait aussi, et quand les cheveux, ils tombent, voilà, donc c'est le NIM, et c'est à 2,50€, foncez les filles et les garçons, je pense que d'ici demain soir, il n'y en aura plus. Il y avait aussi à l'huile d'argan, et l'huile d'olive, et l'huile d'amande douce, mais moi, j'ai pris que ceux qui m'intéressaient. Voilà, et lui, c'est le black seed, c'est le Nigel, on connaît bien les bienfaits du Nigel, donc c'est pour la pousse des cheveux, anti-chute, et voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, voilà, et c'est à 2,50€, et là, toujours le Nigel, tout ce qui est à base de Nigel est noir, parce que déjà les graines, elles sont noires, donc c'est le black seed en anglais, et j'ai même pas senti les odeurs en fait. Ça sent très très bon. Ça, ces huiles-là, en fait, j'en ai ramené plein. En fait, pas ces huiles-là, j'en avais ramené déjà plein du Maroc, des huiles à plein de trucs.
Mais j'avais pas trouvé au Niger, sachant que le Niger au Maroc, il y a plein de trucs. Mais bon, donc voilà les filles et les garçons, mes trois huiles. Je me suis fait, en fait, j'ai été tentée de les prendre. En fait, je suis partie, je ne voulais pas les prendre, je suis revenue. Et c'est une cliente qui a dit, waouh, vous savez à combien ils sont sur Amazon, les filles et les garçons, ils sont à 30 euros. Et c'est grâce à une cliente que j'ai vue là-bas, qui a regardé sur Internet et qui les a trouvés à 30 euros. Et chez Noz, je les ai achetés, payés à 2,50 €. Donc allez-y, elle a pris toute la, cette cliente-là, elle a pris tout, toutes les huiles. Donc voilà, et c'est de la même marque que les shampoings après shampoing et crème coiffante que j'ai acheté. C'est donc une marque londonienne. Oui, londonienne. Non, c'est pas elle londonienne. Oui, londonienne, Made in London. Voilà les filles et les garçons. Et maintenant, mes deux chouchou que j'ai trouvé sans deux vases très design. Pour moi, ils sont sublimes ces vases-là. Donc, ils sont à 1,50 €. Je les ai pris à 1,50 €. Il y en avait, voilà. Et moi, j'ai pris un, puis après, je me suis dit, non, c'est pas possible, je vais prendre deux. Donc, je me suis dit que je les mettrais là, derrière. Donc, les prochaines vidéos, vous allez les voir derrière. Je les ai trouvés sur super beau. La marque, je ne sais pas du tout. Il y a juste le prix 1,50 €. Ouh. Ouais. Ouh. Parce que je vous parlais. Mais en plus, je pense que je vous parlais en fait. Et je m'entendais. J'entendais un écho. Voilà. Et j'ai pris avec mes deux fleurs. Il en reste, hein, les filles et les garçons. En plus, ils ont eu un arrivage énorme de fleurs artificielles. De la marque Cilea. J'en ai pris deux. À 2 € et le prix initial 7,50 € quand ils étaient vendus en boutique. Donc voilà les filles et les garçons, mon haul est fini. J'ai été super contente d'aller aujourd'hui à Noz parce que j'ai fait des trouvailles. Allez-y, hein. En plus ils étaient encore en train de déballer. Je pense que si vous y allez demain, vous trouverez autre chose, plus de choses que moi. Mais moi, je ne vais pas y aller demain. Parce que j'ai envie de me reposer et j'ai des choses à faire. Donc voilà, sur ce, les filles et les garçons, je pense que j'ai fini, j'ai tout fait, j'ai tout présenté. Allez-y, profitez-en, faites de bonnes affaires et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker ma vidéo si vous avez aimé. Je vous fais d'énormes bisous, d'énormes poutous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.